Je me dis bonjour, je salue tout le monde. Je salue le République capitale fédérale américaine à Washington DC. Jeudi à ce vendredi, c'est week-end. Donc pour nous-mêmes qui là, nous prenons un week-end, nous avons commencé déjà. Pas de nouveau commencer. Je me demande combien de monde qui t'entendent pour me déraper. Autant de papa, autant de papichon, autant de. Vous entendez là? Bonsoir, est-ce que vous entendez? Ah, il y a un monde qui dit oui, qui le veut doit être là. Oui, moi entendez au boss. Ok? Eh bien, pendant que je parle, nous avons remarqué que un peu de monde a passé des domaines là. Et un peu de monde a parlé des domaines, c'est après ces monde qui semblait à monde qui soutenait le Moyen-Orient. Et c'est mon qui vient de Washington là actuellement qui cap manifester gagne ma plus manifestation aux États-Unis à cause de guerre qui gagne dans Moyen-Orient. On a parlé de conflit israélo-hamas là, et bien grand pile protestation, que ce soit dans niveau universitaire, que ce soit c'est dans niveau et par exemple mon ça va pratiquement son bande palestinien et mon ça va passer des dômes dans là. Donc, c'est mon qui, justement, il est prêt à protester contre le conflit Israël-Hamas là. Bon, c'est mon qui, pratiquement, a discuté sur, a accusé Israël, le fait que la pilonnée et territoire Gaza. Et en parlant de ça, on a dit que bonheur matin, ben, état hébreu pilonné et territoire Gaza. Encore un moment, il faut qu'on fait pour un an qui mesure si on capable, et aide humanitaire capable de vivre les gens qui en ont besoin. Mais il a semblé que l'Égypte campait son position. L'Égypte dit que l'Ibavie ouvre barrière pour permettre que les Palestiniens puissent quitter le territoire pour entrer la Kaili. Il a semblé que Israël, tout le monde parle, tout le dit que tout convoi qui a entré dans le territoire Gaza, il faut fouiller pour assurer que ce n'est pas ZAM qui a transporté au lieu de. Aide humanitaire, bah, les gens qui ont besoin et ont dit désespérés par une de l'eau, et un paquet de appel qu'on s'est lancé, et pour un an qui mesure qu'à aider. Le président Joe Biden a fait un gros discours hier soir, quand il m'a demandé pile l'argent, mes amis, l'argent qui était à l'argent, il m'a dit près de 100 milliards de dollars. Alors, l'argent, l'a divisé sur plusieurs. Parmi eux, il y a aide pour Israël, assistance pour l'Ukraine, il y a pour frontière à tout, pour sécurité frontière à tout, avec l'autre bail. Donc, nous faisons, on va dire, sur le côté de l'ADC, problème et conflit, on a dit Israël-Hamas là. Ouais, même quand dit Israël-Palestine, non, on dit Israël-Hamas là, parce que c'est deux bases qui ont un conflit. Pendant ce temps, bah, ils continuent à faire, et donc, Israël continue à gonfler bibitil, continue à remplir, et mettre présents soldats sous frontières en façon, pour si au cas, à n'importe quel moment, ils ont décidé de rentrer dans le territoire Gaza, pour faire, donc, préparatif, là, etc. Donc, ils ont disposition, ils ont déjà, donc, grand pile soldats avec ZAM, et Israéliens qui massent sous frontières, pour y aller. Donc ça veut dire que grand pile d'effort qu'a fait tout pour éviter que guerre n'y pas dérapé. Donc j'aime dire là, n'a pas pile mon a passé des dominants, c'est mon pratiquement prêt dans manifestation, que ce soit manifestation anti-israélien ou bien manifestation anti-Hamas et tout. Non. C'est là nous pratiquement. Si je viens pour l'autre question qui gagne building n'a regardé maintenant jusqu'à présent congrès qui doit voter sur demande président Joe Biden à faire, mais jusqu'à présent, le Congrès n'a pas de président. Nous avons depuis dernièrement, un groupe de députés était décidé et voya mettre à côté le président Kevin McCarthy. Mais jusqu'à présent, pas de pas aucun candidat. Même les des majorités à Civcalis qui font tentative, ça n'a pas marché. Je dis encore, ça a gagné longtemps, eh bien, Jim Jordan, qui est candidat désigné républicain, et bien, monsieur subit encore une troisième défaite. Ça fait troisième fois que monsieur fait tentative, et bien, elle n'a pas marché pour lui. Elle n'a pas marché. Donc, ça veut dire que, quand elle a toujours après battre,
Et nous ne pouvons pas dans la journée encore que nous allons quatrième vote. Mais pour qu'il y ait un troisième vote qui se fait maintenant là, eh bien, il n'est pas mordé pour le député Jim Jordan qui, normalement, a fait une tentative qui t'a amené président et speaker of the house, le président somme député. Ça va marcher. Donc peut-être que nous allons faire un quatrième vote, à moins que l'il quitte. Hier, l'idée a flotté pour que l'il pression a fait hier pour qu'il quitte ça. Mais il n'a pas fait une tentative pour le bail. Et président pro-tempore a position pour l'été jusqu'à janvier. L'autre collègue lui a dit non, ça va pas faire. Ça va pas faire, ça va passer. Donc, monsieur qui était là tombé, monsieur dit bon, dans ce cas-là, balpon troisième chance. En troisième chance, n'est pas modé. Concernant l'immigration, mes amis mio, on a une nouvelle pour nous, de toute façon. La nouvelle là, c'est que le président mexicain, Manuel López Obrador, il a décidé d'organiser un mini sommet, la Cali, dans une petite ville qui est Palenque, qui est dans le sud du Mexique. Nous-mêmes qui au Mexique, nous avons dit qui est lié exactement parce que nous pas à jeune côté lié, mais c'est une ville qui a une importance parce que de toute façon, dans le sud du Mexique. Et donc, dans le sud du Mexique, ça veut dire que les sous-frontières et au bientôt pour les frontières États-Unis partagées avec le Mexique. Là. Mais le président Manuel Obrador a décidé d'organiser un mini sommet et qu'il a regardé le pays qui a émis, ou le pays qui a envoyé les immigrants sous frontières. Alors, Haïti, il y a le premier ministre haïtien Ariel Henry qui est invité, il y a le président cubain et Miguel Díaz-Canel qui est invité, il y a tout et. Président vénézuélien Nicolas Maduro et puis gagné tout président vénézuélien et président Honduras là et Xiomara Castro. Donc c'est quatre pays ça nous rappelle que c'est pays qui voulait plus immigrants et cap chercher rentrer aux États-Unis vivre dans les frontières et pression la monter sérieusement sous le président Joe Biden ou l'administration américaine qui fait conseil de disposition qu'on y a qui j'ai entendu avec Venezuela par exemple qui recommençait pour recommencer expulser les Vénézuéliens qui étaient cherchés en détention illégalement pour retourner au Venezuela. Donc, les responsables de l'immigration américaine disent qu'ils continuent non seulement à déporter les Vénézuéliens, mais à déporter les immigrants de l'autre pays, tout que ce soit l'autre côté de sorti. Oui, je parle au débat du talent. Que ce soit à l'autre côté au sorti, que ce soit sorti en Haïti, dans le Caraïbes, en Amérique latine, en Amérique du Sud, à déporter ou dépouiller les notre frontière. Illégalement, il y a des portes. Il y a des moyens pour faire, il faut faire moyen légal là, pas passer en bas fil, faire moyen légal là, appliquer, remplir forme CBP, prendre rendez-vous et venir présenter chaos aux frontières. Avec ça, il y a une possibilité pour qu'ils soient rentrés, sous cas convainc, officier immigration ou bien encore, et garde patrol et frontalier, sous cas convainc, et bien bon, d'accord, ou est capable de rentrer aux États-Unis. Donc c'est comme ça. Et donc pratiquement c'est ça qui gagne et puis sommet et Canada c'est surtout avec CARICOM mais l'idée est pratiquement retourner la CAIO. Nous pas connaissons si le premier ministre a retourné étant donné que et sommet et sur immigration a fait dimanche nous avons s'il tout était au Canada ou bien s'il était aux États-Unis il fait transit ou bien aller au Mexique directement ou bien s'il retourne en Haïti ensuite pour le retourner pour le venir au Mexique. Donc ça veut dire que samedi faut être parti pour être capable d'aller dans le sommet ça. Il n'y a pas dit combien de jours exactement, non, comment ça veut dire. En tout cas, ce sommet CARICOM, non, que le Canada se fait sous sécurité, avec question et stabilité dans le Caraïbes, là, entre Canada, mais ce sommet ça a fini. Donc, pratiquement, chef de l'État avec chef gouvernement retourne la CARICOM. Après, le Canada fait en pile promesse. Et dans le point de presse que le premier ministre Justin Trudeau débat, eh bien, le retour, j'en coincé, monsieur, à une question. Sous situation politique en Haïti, que bah, malgré toutes sanctions que le Canada prend contre on sait de dirigeants, presque une trentaine, eh bien, on n'est pas bougé, pas rien qui fait vraiment. Donc, le premier ministre n'a pas trop contact avec les gens qui sont petits gens. Qui, d'après lui-même, sont questions qui sont légitimes, sont questions quel que soit le monde, on va mettre là, il faut avoir des questions ça. Et il y a une réponse quand même, parce qu'à la fin, il dit que le côté quoi, que c'est Haïti même, c'est dirigeants haïtiens pour mettre ensemble. Mais il dit, malgré toutes les fois que nous-mêmes nous faisons, il dit que le Canada a près d'une trentaine d'années qu'il a travaillé en Haïti. Il ne va jamais abandonner le peuple haïtien, toujours à aider là. Mais il était quoi, à la fin des fins, solution Haïti à son haïtienne que lié, ce qui solution 2 était plus longtemps, durable.
de son sens haïtien c'est pas que étranger pour venir poser son sens parce que pas dur en pile donc valeur a une chance pour parler nous de ça de réponse là et si nous visitons tous et si nous donc nous avons un pile monde continue à passer là un pile monde continue à passer tout ce monde qui parle en manifestation et monde ça pratiquement si nous regardons sans pas faire discrimination et assemblé avec palestinien donc c'est en pile oui non blanc en pile là qui va manifester gueule c'est parce que moi tout pour congrès là et tout le monde a pour une seule direction donc nous quand on commence à passer toujours allô ouais. Donc il y a des gens qui dit supporter Gaza supporter démocratie donc ça nous quand comprendre et ça va passer là donc ça en bonne position pour une manifestation monde qui va dans manifestation là donc ça moi même compter là depuis les campé là il y a plus passé une centaine de monde qui passé là et c'est monde qui vient il identifié donc on pas power avec qui est yo qui va manifester devant congrès nous connaissons capitale et américaine là donc il y a plus disposition qui prend tout il y a un groupe motocycliste qui vient là qui certainement c'est police qui va très vraiment pour garantir sécurité manifestants donc nous continuons à parler alors bonne nouvelle là mes amis bon fin ban des congrès qui cherche un nouveau président et puis nous répondons pas autour de discours à président Joe Biden et prononcé hier soir là côté que il présenter dossier conflit israélo Hamas là par peuple américain et puis intention tout le gain pour que les voyons assistance bail etc. Donc alors un discours président mon guide libre Jacqueline qui est en vacances qui peut en vacances il va là mais quand même je parle de ce dossier ça pour nous et puis une gentil Augustin tout parle parler réaction et leader politique ou bien encore leader mondial ou bien encore expert au fait après discours et président Joe Biden prononcé hier soir et puis dans le pays d'Haïti mes amis c'est beaucoup oui. Nous connaissons que les Nations Unies voté une résolution 2700 côté que li renouvelé et régime sanction contre Haïti soit fait zam moun yo prend sanction sur yo moun ki pa ka voyage etc. Et puis li fait tout après rapport yo présenté rapport Nations Unies rapport que expert Nations Unies t'a fait sur Haïti pour te chercher connait ki moun ka fait des ordres moun ka supporter gang moun ka financer gang et en façon l'autre et bien bon on liste dans l'arrière moi même pas ca ban nous liste là parce que bon boss m'a empêché boss interdit de nous faire ça et n'attend que Nations Unies publie liste là même côté li bay li cité bay non moun que ciblé et soit mais rapport à li disponible donc ou gen pile bagage ou ca connaît déjà et mais et pas moi même qui parle pas tout et puis la police fait un coup. Il a arrêté M. Badjo, M. Félix Badjo. Il a arrêté M. pendant Michel dans la maquette. Alors, Félix Badjo, c'est un suspect clé dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il est M. Cerveau, assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Donc, pendant Michel dans la maquette hier, M. était dans une machine qui n'est pas pour lui, M. était dans mon aveli, et puis M. est entré dans la maquette là, et puis bon, la police prend M. La police de CPJ prend M. Il a mené M. dans la caserne Pétionville là, dans le commissariat Pétionville là, il n'y a pas une caserne encore. Il a mené M. dans le commissariat Pétionville là. Nous avons toutes les photos qui ont publié sur les réseaux, côté M. Minoté, etc. Et bon, M. actuellement dans le CPJ, il est en garde à vue. Nous connaissons les gars d'avion, écoutez, on met tout là, il y a un gado, là, on y a un gado. On met tout dans la salle, côté là, on entre en dedans, on met tout dans la salle, côté que le chef qui a fait portion dans le chef qui chita là, il y a là, devant, il y a là, donc on ne peut pas disparaître. Donc, monsieur en garde à vue, et très certainement, et bon, probablement depuis hier soir, monsieur qui a pris pour une question, sur ça que le connaît, etc. Mais, nouvelle qui fuitait dans la presse, et Fédéral dit que. Monsieur fait des déclarations, même pas qu'à pas attendre yo moins li quelque bagarre même c'est à petite information personnelle que me pas qu'à partager avec nous seulement attendre pour nous qui ça cap dire et qui ça autorité à faire en fait tout le monde espère que
de CPJ ou bien PNH capable faire bah, une conférence de presse justement pour dire quelque chose. Mais ce sont des dossiers qui sont tellement sensibles et grand pile bagaille. Grand pile bagaille et monsieur gagne 2 ans à peu près, plus que 2 ans en cavale. Et gagne ancien première dame de Martine Maurice qui met un message sur social Twitter pour lui dire je viens, bah, il va marcher quand même, mais il demande lui-même là la milité pour que un tribunal international qui prend dossier et défait président Jovenel Moïse en main. Bien tout Jovenel Moïse qui met ton message et lui-même tout lycée m'a dit tout le monde bonne soirée. Donc ça et bonne soirée à dire un bagaille tout ou bien bonne nuit. Livre de Jean-Bagay, dans la façon que l'écrit le message que je mettais là. Eh bien, je me donne, by what imagine, is our screaming stock, 17 days, about to speak. Donc, justement, on message me là. Donc, je dis, chambre député américain, 17 jours, sans dire pas président. De pas gagner, tant que pas qu'on président dans la chambre député, eh bien, pas gagner, qui a marché. Même intention que le président Joe Biden gagne actuellement pour lui. Et faire une demande 100 milliards de dollars pour assistance à Ukraine et Israël, etc., avec l'autre bail sur frontière, et bien, tout le bail s'est recampé, tout autant pour un président. Donc, nous avons 17e jour, côté à chercher un président pour chambre, député qui peut arriver, et président qui est candidat républicain pour poste là, Jim Jordan. Dit troisième échec qui connaît là, subit troisième échec, il fait que subit troisième échec qui connaît là. Et puis il n'a pas de Badjo, donc ça veut dire que le dossier ça, son dossier qui relance encore. Et en pile question continue à poser toujours. Et à M. fait plus que 2 ans en cavale. Et ça a fait. Donc, l'ouvrons porte, nous connaissons en pile l'autre mec qui est en prison aux États-Unis. Il y a des gens qui peuvent être coupables. Et il y a des gens qui peuvent être coupables, il y a des gens qui sont en prison en Haïti, qui déjà, juge d'instruction, déjà attendait déjà. Et ça m'en attend, mais ça, son nouveau développement, arrestation, Joseph Félix Badjo a dans le dossier et assassinat de Jean-Louis Moulet, parce qu'il dit que c'est peut-être, monsieur, c'est peut-être cerveau, et de CPJ, t'es même. Et cité non dans le rapport que j'ai fait après l'assassinat du président Jovenel Moïse, après 7 juillet 2021. Donc, nous avons dépassé qu'on y a dans les 2 ans et nous avons touché 3 et juillet, août, septembre, octobre, peut-être 4e mois. Donc, 2 ans, 24 mois. Donc, la police, qu'on y a tout, on a su qui ça qui dans le dossier-là, est-ce que les États-Unis ont demandé plus au voile Bali, Jean que l'autre? L'autre monsieur que les États-Unis viennent chercher eux, nous ne connaissons pas, il n'y a que d'attendre. Ou est-ce que Haïti a autorisé pour les États-Unis de prendre l'île? Il n'y a que d'attendre parce qu'il y a un monde qui était en Haïti, que les États-Unis étaient prêts, ou bien prêts pour notre sous, de l'autre côté. Et c'est Kao Dorja, c'est l'ancien sénateur John Joel Joseph, et qui peut être coupable, Kao Dorja qui peut être coupable. Donc voilà, c'est un dossier que nous attendons, donc nous attendons pour nous qui gens. Monsieur Félix Badjo lui-même qui en parle et approche là. Mais nous connaissons que tout le monde est accusé ou innocent jusqu'à ce que la justice pour prouver que ou coupable. C'est ça que nous dis là. Et puis, gagné Yves Manuel, gagné une monde que le rapport Nations Unies en longitude de Souli, c'est qui certainement pour réagir. Sous le fait que yo identifié comme monde qui est responsable activité gang yo ou qui gang gang même que la potané. Donc Emmanuel a pour parler nous de ceci là et puis nous gagne l'autre collègue nous Mathieu de tout qui travaille sous arrestation Badjo tout qui ça rap dit sous arrestation Félix Badjo. Je veux dire c'est vendredi et m'absente pour nous passer un bon week-end. Content de monter là pendant toute semaine là et qu'on y a là et je dis à ma mère qui est dans le cas là, qui a journal là et Jean-Thierry Augustin avec nous, c'est François Michel avec nous tout, Valérie Tadou est tourné sorti Canada et je dis à mais Valérie pour nous font ramasser de ça que tu dis dans le sommet CARICOM Canada et puis l'autre correspondant nous gagne tout cap travail. Car il va porter bail pour nous. Je vais nous passer un bon week-end et m'espérer m'apprendre encore. Et je suis un cap vini là. Et donc,
petit Paul avait dit que jeudi à ce week-end, ça va venir du point d'associer, ça va venir du point d'acheter, aucun droit, mais aucun limite, aucun bar au café, aucun bar au café. Par exemple, sous les consommer alcool, on connaît déjà pas qu'à conduire machine. Et sous les conduire machine, on ne pas consommer alcool. Et sous son passager, on pas qu'à prendre ou libre dans un monde qui en état d'ébriété. Ah ouais. Et ben me dit nous bonjour mes amis. N'a pas l'hôpital, n'a pas l'hôpital. Et puis très certainement nous gagne en pile possibilité pour nous pour Jacqueline une fois tu parler avec nous tout jeudi à tout. Jacqueline côté me rappeler nous mon cap mandé Jacqueline Marie dans jardin là pas mandé encore pas gain. Nous manger tout pas gain, pas encore. Et monsieur pas planter qu'on y a c'est pas gain Freddy. Mais il a pas poussé. Donc monsieur pas planter encore qu'on y a si ça le gain nous manger tout. Donc je vais regarder pour voir qui ça a planté pendant la saison rivière là, qui a marché. Et nous dans la saison rivière, on dit là, après la neige, si ça ne va pas faire rien. Donc quittez monsieur, bah monsieur un petit peu pour nous tenir. Et bah monsieur un petit temps. Bah monsieur un petit temps encore, vous comprenez? Bah un petit temps encore et puis na ma performance nous va monsieur pas cacher ma performance qui ça monsieur l'a fait dans jardin et dans jardin mais jardin maillot fini on a maillot fini c'est un gros terrain de la Kailia un gros terrain OK on allez bye bye tout le monde bonne fête d'après-midi et bon week-end la semaine prochaine.